Salut à tous, c'est Mister B-Black. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une petite escape. Bien sûr, la petite escape, je l'avais déjà fait, mais bon, je vais la refaire pour vous, tout simplement parce que j'ai eu un problème au niveau du record, les amis. Alors, on doit s'échapper. Le but, c'est vraiment de s'échapper d'un lycée. Bien sûr, on a deux escapes. Je vais faire celui-là. Ensuite, on va faire un autre que je n'ai pas encore fait. Et puis, voilà, tout simplement, en tout cas, ce qui est vraiment... très flippant, c'est la gueule de ce professeur. Mais qui l'a embauché? Mais nom de Dieu, est-ce que celui qui a embauché cette personne s'est fait tuer par lui-même? Ou il faut me le dire. What the fuck? Mais il va apprendre quoi là? À couper une pomme? C'est incroyable. À faire des lancers de couteau peut-être. Et regardez-moi la tête de ce surveillant. Mais mon Dieu, c'est plus un être humain là. C'est un gorille. C'est un gorille vénère. Bon allez les amis, on va faire la petite escape vite fait, bien fait même. Puis voilà tout simplement, je trouve ça vraiment sympa les petits genres d'escape comme celui-là. Wow! Très magnifique même. Mais quel genre de lycée est inondé comme ça? Si t'as un lycée comme ça, il doit être fermé mon pote. Parce que tu peux pas avoir un lycée comme ça, c'est pas possible. C'est physiquement impossible. Bon là, il faut tout simplement sauter... Bien sûr, rien de compliqué. Ensuite, oui, c'est exactement la même chose. Il s'est envahi, mais c'est quoi ces pinceaux là? Peut-être c'est de l'art, peut-être c'est quelque chose d'artistique. Mais bon, oh my god, en tout cas, les très très beaux cadres, très très beau lycée. Mais en tout cas, tu te déplaces pas comme si tu te déplaçais dans Mad City. Hein. Moi qui joue énormément à Mad. Là, toujours avec la même tête, hein. Un peu de sourire. Le sourire, ça vous a... Ça vous a... Wow, c'était pas celui-là. Mais la technique ne marche pas. Oh mon Dieu. C'est celui-là. Est-ce que c'est toujours au même endroit? C'est... Non. C'est pas toujours le même endroit. Putain, j'ai déjà fait en plus, hein. Je l'ai déjà fait. Oh là là, j'ai une mémoire de poisson, excusez-moi, hein. J'avais oublié de c'était sur le côté. Ah là là, la mémoire de Mister B Black, là, je le félicite pas. Hein. Oh. Oula, on prend le checkpoint. Alors. When has created Roblox 2005. Ça, c'est obligé, ça. À chaque fois quand je mets une vidéo en ligne, quand je choisis la catégorie de jeu, c'est quand je mets Roblox, c'est toujours écrit 2005 à côté. Alors, Nick Game, ça je sais. Alors, what's this game hobby? It's a hobby! Bon, c'était écrit sur le titre. Hein. Putain, ils ont mis leur Insta et leur Twitter direct à côté, boum! Putain! DM-le sur Twitter! On peut passer par là ou pas? Non, on peut pas. C'est fermé. Ah! Si, on peut très très bien passer. Holy shit! Holy shit! Alors je sais la technique tout simplement. Ah c'est ici. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh putain. Il fait un stop ou quoi lui? On dirait qu'il fait du stop. Oh chien, on va pas trop l'emmerder. Hein. On va pas trop l'emmerder. On va aller dans les toilettes des filles. Non, c'est pas une bonne idée. Hein, parce que lui il va être jaloux. Si on va aller dans un lycée à Calmos. Calmos, baby. D'accord. Holy shit. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ah d'accord, c'est de l'eau. En fait, si tu marches sur l'eau, ça fait quoi? Ah ouais, ça te désynchronise. Mais what the fuck? Mais si tu marches sur l'eau, ça te dé... Aïe, 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 aïe. Ok. Ah, t'es allé dans les toilettes. Ah, je sais pas comment il a fait, mais... T'es allé directement dans les toilettes. Et le mec, il a été en marche sur quoi là? Sur une saucisse ou sur du caca là? C'est le caca. En plus, je suis pieds nus. Je marche sur un caca là, je crois. Hein. Je crois que c'est du caca. Je suis pas sûr, mais attends. Mais je suis censé aller où là? Je suis censé aller où là? Il y a une erreur là. Il y a une erreur là. Il y a pas de caca pour marcher dessus. Hein.
Ah d'accord. Maintenant le caca te tue. D'accord. Le premier, le caca te... D'accord. Le caca t'aide. Après le caca te tue. Excusez-moi les gars, je comprends pas le principe de marcher sur du caca et ensuite de l'esquiver. Il est où la logique? La logique de la physique de la logique. Non! Mais comment tu veux que je passe, frérot? Le caca m'a tué. Comptez le nombre de fois que j'ai dit caca dans cette vidéo, hein, les gars. Hein, je vous le dis. Hein. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Oula, comment esquiver ce caca là? Ce caca, il est vraiment problématique. Let's go. On n'est pas les boss du caca, nous. Bah, on peut pas monter. Bah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut? L'eau qui te désintègre. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà fait en fait cette escape tout à l'heure et c'est pas exactement la même chose. Hein. Je vous dis, hein, c'était pas exactement la même chose, c'était très différent. Peut-être que là, je sortais du. Ouais, non. C'était pas exactement la même chose. Là, je vois un petit peu où est-ce qu'il faut y aller. Enfin, tac, tu traces tout droit. Je l'ai fait qu'une fois. Hein. Et au niveau des toilettes, c'est pas exactement la même chose. Tac. Je vais par ici. Aïe aïe, c'est un peu compliqué, hein. Cul-de-sac, messieurs, aidez-moi, please. Come on, bro, help me. It's here. Ah, oh, let's go. On n'est pas des boches, nous? On n'est pas des boches. Des boss, pardon. Tout chemin mène à Rome. Oh là là, il faudrait que je fasse un escape et je mets subscribe to Mr. Biblack 436. Il faudrait que je la fasse, celui-là. Toujours avec la même gueule, hein. Eh, monsieur, faut sourire. Faut sourire, monsieur. C'est. Ouh là là. Monsieur, s'il sourit pas dans la vie. Faut sourire, monsieur. Waouh, putain, j'ai eu chaud. J'ai eu extrêmement chaud. Il n'y a plus de secret, mon négro. Il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de secret. Oh, on repart de chez nous en voiture, les amis, let's go, let's fucking go. We're gonna do it. Holy shit. Eh ben, GG's, bro. Bah, les gars, c'est terminé. Avec ta sale gueule là-dehors, qu'est-ce qu'il veut nous faire, lui, maintenant? Qu'est-ce qu'il voudrait nous faire? The escape is sure to join good fun. Bon. On va enchaîner à notre escape, les gars. On est à 7 minutes de vidéo. On va faire la deuxième directement. Je vous dis à tout de suite, les gars. Me revoilà, les amis, tout simplement. On a changé d'escape. On est sur le new escape, les amis. Toujours in the school. Alors, toujours dans le school. Assez spécial, bien sûr. Mais qui met des gros crayons dans le couloir? Mais qu'est-ce que c'est que cette école? Mais what the fuck ils se disent? Mais c'est quoi ces faux? Hein? Ah, ok, d'accord. Ok. Oh, on avance. Là, on va croire que c'est un professeur assez terrorisé. C'est différent d'avant. On dirait qu'il a vu un truc qui est qui fait assez peur. On peut. Ouais. Je suis sorti dehors. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? D'accord. Ok. Je suis sorti. Mais il est terrorisé. What the fuck? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit comme ça? Bon, on doit passer par ici. Ok, là il y a un petit peu plus de difficulté qu'avant. Hein. Ça se sent qu'ils ont voulu rajouter de la difficulté comparé à avant. Alors on ne sait pas si c'est de la facilité. Alors on va clairement voir ça. Mais en tout cas, c'est extrêmement beau visuellement. Mais bon. Après là, j'ai un abonné qui a rejoint. Mais je l'ai rattrapé en plus. Je l'ai rattrapé. Et on va continuer ça tranquillement. Alors nous sommes sur la suite. En tout cas, si vous voulez venir jouer avec moi en Escape ou quoi que ce soit, faire des petites vidéos avec moi. Oh mon dieu, je le savais pas, je l'avais pas fait gaffe à celui-là. Je suis avec des abonnés. Et puis voilà, tout simplement. Je suis avec un abonné. En même temps, je tourne la vidéo à 2 h du matin. Du coup, c'est assez compliqué. Oh, j'ai réussi. Mais lui aussi, je crois qu'il a réussi. Bah oui, il est devant. Il est tout devant. Je vais essayer de terminer cet escape rapidement. Assez rapidement. Putain, la façon de marcher, on dirait un mignon. Ou je sais pas quoi, mais quelque chose de choupi que tu retrouves dans les films. Oh putain, je suis dead. Je suis dead. Ne pas se presser. Voilà, j'ai la flemme de pas me presser, mon ami. Tu comprends ça ou pas? Tu comprends? Ah, ça m'a touché. Bon, on va pas passer longue vie là-dessus. Là, tu sens comment il y a de la difficulté.
Voilà les zamzams. Alors, je sais pas si vous voyez le son. Oh. Ben, ça fait rien si tu traverses à côté. J'ai touché le truc, ça m'a rien fait. Ça a rien fait. Wow, putain, tu sens qu'il y a de la difficulté là. Oui, sans doute sur téléphone le mec qui était derrière moi. Hein. On va avancer, on va continuer. Bon, après, je dis pas que les mecs sur téléphone sont très très nuls en escape, mais il y en a qui ont des difficultés. Moi-même, j'ai déjà joué sur téléphone et croyez-moi que j'avais de la difficulté. Je sais pas si vous, dans les commentaires, vous êtes dans le même cas que moi. Oh, je me suis pas loupé. Je sais pas comment il a fait pour mourir. Hein. Oh, c'est quoi ça? Ah, d'accord. Faut faire très très gaffe là. Faut faire très très gaffe. Je vais essayer de finir l'escape avant lui. On va essayer de finir les... Ah! Il est mort aussi! Mais c'est sûr. Ouais, franchement, c'est... Même la meuf, elle a réussi à faire... Attends. C'est très compliqué, hein. Ok. Oh, let's go! Je laisse mon pote derrière. Ah, je vous le dis, hein. Mon collègue, il est derrière moi. Ah, il a voulu faire le mec. Je vais faire en sorte qu'il me rattrape pas. Ah, je vous dis, il va pas me rattraper, hein. Il va pas me rattraper de sitôt, mon collègue. Non. Je voulais faire le mec. Mais là, c'est mort. Comment il tryhard. Tac, les amis, let's go. Voilà, c'est compliqué, hein. La technique, c'est de... Ah, c'était pas celui-là, mon dieu. En tout cas, celui-là, il a plus de difficultés, c'est plus impressionnant. Vas-y, frérot, vas-y. Vas-y, champ libre. Moi, je te le dis, je lui dis pas. Oui. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu, il pourra pas me rattraper. Oh, moi je l'ai... Ah, il a réussi. Bien joué. Ah, j'aime bien. Moi, j'aime bien quand je joue avec les abonnés, tu vois, faire une petite course en mode... Putain, il est tout terrifié, le poteau. Tu as les défis. Quel coquin, les créateurs. Quel coquinou. Je suis tombé. J'ai pas fait gaffe à l'eau. Je pensais que l'eau était invulnérable, mais bon... L'eau tue dans ce jeu, l'eau tue. Ah putain, mais je fais n'importe quoi. Ok. Je vais me concentrer. La respawn, il a vu, mais. Oh putain, il est mort. Mais wesh! Wesh! Ok. Je ne parle plus. Il m'attend. Il fait le plaisir de m'attendre. Oh, j'avais oublié, mais non. Mais non, j'avais oublié ça. Oh là 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 là. Mais c'est saoulant à la fin. Oh. En plus, tu vois rien. Il faut que la caméra... Oui, on va aller dans le caca. Je sais pas comment on a fait pour rentrer dans le trou du caca, mais... Il est fort, hein. Il est fort, le mec, hein. Mais putain, mais pourquoi je meurs à ça? Même elle arrive. Oh là là, je vais vous offrir plus de beaux jeux, les amis. Par exemple... Hush. Non, c'est pas le mec des blagues. Ah, ils sont tous tombés. À part le gars. Mais c'est fils de... Ce fils de... Ben... Oh, d'accord. Je vois le délire. Mais il faut esquiver ça, je crois. D'accord. Ah, ça tue. Ça va être compliqué, hein. On va essayer de se concentrer. Allez, vas-y. Allez, les amis. S'accroupir ou pas? Oh, heureusement que j'ai pas avancé. Moi, si j'étais à sa place, j'aurais avancé. Hein. Bonne initiative. Je réfléchis pas trop des fois. Bon, on a passé par les égouts.
Est-ce qu'on va avoir une même... Alors celui-là, je connais pas du tout, hein, les gars, je vous dis clairement. Ok. Est-ce qu'on va avoir la même étape de labyrinthe que tout à l'heure? Pour l'instant, ça va, mais qui a une école comme ça, qui est inondée comme ça, les gars? Dites-moi dans les commentaires si vous auriez aimé avoir une école qui est inondée comme le sien, là. Parce que ça pourrait être énorme, en vrai. Une école qui est... Cette école est inondée, c'est trop cool. Un peu d'ambiance dans l'école, tu vois. Un peu d'ambiance dans ton bahut, tu te dis, mais wow! J'adore cette épreuve, c'est vraiment énorme. Allez, on va avancer, on va avancer. En tout cas, c'est vraiment énorme et sec, cet escape. Ça a rien de... Wow, what is this? Ok, ça veut dire... n'y va pas, n'y va pas. Ok, bon, on n'y va pas. On essaie de sortir de... du truc, mais on n'y va pas. T'inquiète pas, frérot, t'inquiète pas. Oh là 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 là, mon pote. Mon pote, il est tombé. Mon poteau. Moi, je l'attends pas, hein. Il est trop chaud pour que je l'attende. Il sait très bien que je vais mourir à un moment donné. C'est très bien, il sait très bien que je vais faire rattraper. Mais j'aime bien avoir les abos derrière. Allez, je vais essayer de pas toucher les épingles, parce que je sais que les épingles, ça peut te tuer. Ah, t'as vu? Il m'a rattrapé, là, mon pote. Ah là 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 là. Putain, il y a même d'autres personnes qui ont rejoint. Grosse dédicace à Lloyd. Bien sûr, on dédicace aux abonnés, bien sûr. Et à Mathis qui ont rejoint les parties. Nos escapes, bien sûr. Oula, oula, exactement. Et juste après cette vidéo, je go tourner justement une vidéo sur Mad City. Je vois que ça parle de Mad City dans le chat en haut. Mais bon, faut que j'enlève le chat là. Ça vous déstabilise. Il y en a, je suis sûr, qui font... Oh, le petit car. Le petit car comme les Simpsons. Je sais pas si au States, ils ont toujours des bus qui sont jaunes comme ça. Putain, ce serait trop stylé que chez nous aussi, en France, il y aurait ça, tu vois. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai même pas encore commencé, le zinc! Ah ouais, mais c'est de plus en plus dur, hein. Pour rentrer chez toi, tu dois faire ça. Ok, tu dois faire la marelle. Ok. Ok. Hein, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui nous amène? Où est-ce qui nous amène, le frérot? But, what is this? Et c'est une nouvelle épreuve, ça. Qu'est-ce que c'est que cette épreuve? Bon, en tout cas, les amis, on est plus de 17 minutes de vidéo. Je vous dis à la prochaine. On s'est embarqué dans un nouveau bail, les amis. Je vous dis à la prochaine. Peut-être. Peut-être une escape dans le centre commercial. On ne sait jamais. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire qui fait plaisir. Constructif, pourquoi pas. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas le j'aime et les commentaires. Ciao, ciao. On se laisse toujours sur une mort à chaque fois.